Par rapport à la percée de la NVA, ben c'est quelque chose qui était tout à fait attendu chez nous. C'est vrai qu'on l'avait dit à de multiples reprises. C'est vrai cette sixième réforme de l'État avait notamment pour but de financer Bruxelles, ce qui est très bien, mais d'apporter un apaisement communautaire. On voit que l'apaisement communautaire, eh bien, il n'est pas du tout présent, bien au contraire. Et ça, c'est quelque chose que nous disons depuis toujours et singulièrement depuis ces dernières années. Alors, quant à la participation à un pouvoir, effectivement, pas à n'importe quel prix. En tout cas, vous êtes prêt à y aller à la NVA, Ah c'est oui. ce que, avec la NVA, c'est ce qu'avait dit Didier Gozouin. Hein. Alors, les positions sont pas encore Ah, votre coordonnées chef de file l'a dit clairement. Hein. au sein du parti. À titre personnel, voilà, la NVA, il y a deux positions. Il y a la position pragmatique qui est de dire, eh bien, associons-nous et puis ça nous permettra de mieux les combattre. Et puis, il y a la position plus philosophique, la morale, je dirais, des principes Et à plutôt que titre de celle personnel, quelle est votre des position alors? conséquences. Moi, je suis assez hostile à une association avec la NVA.